fait, j'ai eu la lourde charge de superviser les travaux. Et donc, nous avons démarré les travaux depuis la semaine dernière. Mais c'est à partir de hier que nous avons commencé à produire les bitons. On se donne encore jusqu'à la semaine prochaine pour pouvoir sortir le bois totalement et les piliers, les autres piliers du bâtiment. Donc le travail a commencé. House of Glory est en marche. Voilà, au niveau des chantiers, tous les ouvriers sont là, les superviseurs sont là, les chefs, les techniciens sont là, les ingénieurs sont là. Donc on a démarré. J'en profite par la même occasion pour lancer un appel à tous ceux qui hésitaient. Hésitaient parce que je disais que c'était quelque chose qui peut-être que ça allait mettre du temps pour se réaliser. Nous avons commencé, donc nous pouvons leur dire de nous appuyer, de nous aider à faire de sorte que cette œuvre puisse réellement se réaliser. Parce que nous avons commencé et nous avons besoin de leur soutien. Alors, il ne faudrait pas qu'ils doutent parce que nous sommes sur le terrain. Nous avons laissé notre tâche quotidienne pour pouvoir réellement nous mettre à la disposition de l'Église. Donc nous leur demandons véritablement de pouvoir s'activer, à apporter leur soutien financier, matériel et même physique. Parce que nous avons besoin de suffisamment d'hommes qui veulent véritablement aider sur le chantier pour que cela avance. Merci.